Yo les gens, c'est G.I. John Doe, et bienvenue dans une des vidéos Elden Ring les plus couillues de tous les internets. Le concept est simple, je dois no hit, no damage l'intégralité des boss du jeu. C'est-à-dire que je dois tous les tuer, sans me faire toucher, et sans prendre de dégâts. Et ce, en NG plus 7. Pour vous prouver qu'il s'agit bel et bien de NG plus 7, je laisserai visible à l'écran les runes gagnées sur chaque boss tué, et je vous montrerai mes stats après chaque combat pour les comparer avec celle-ci. Voici les règles. Pas de magie, pas d'invocation, pas de weapon art, c'est-à-dire pas d'actif de cendre, comme pas de limier ou seppuku par exemple. Pas de fiole miraculeuse, pas d'item quel qu'il soit, pas de rune majeure évidemment, et pas de pari. En gros, vous l'avez compris, rien à part mes deux lames, mes dodges et mon énorme chibre. Voici mon build. En main droite, je serai muni d'une épée courbée du charognard de glace plus 25. Et en main gauche, une épée courbée d'homme bête de glace plus 25. Je me servirai également du marteau plus 25 sur les cristallins. Et évidemment du track viper plus 10 sur Ricard. Pourquoi ce choix? Parce que j'adore jouer de cette façon, bordel, j'ai pas le droit. Quant au talisman, j'utiliserai le talisman de tortue verte, le talisman d'épée rituelle, la prothèse de Millicent et l'insigne d'épée elle putréfiée. Pourquoi? Pour deux raisons. Je ne voulais pas de talisman trop fort, mais uniquement des talismans qui m'obligent à jouer agressivement si je veux profiter de leur bonus. Pourquoi? Bordel, mais t'en poses des questions. Pour vous faire kiffer un max avec du gros spectacle, pardi. Les vidéos de cette playlist seront classées de manière très simple. Par zone dans le jeu, il y aura une vidéo qui regroupera tous les trash boss, ceux qui sont le moins intéressants, et une vidéo par boss majeur. Maintenant, installez-vous et kiffez. C'est un ordre. Attention, c'est l'intro. Tout le monde se tait et écoute la madame. Écoutez notre queen. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. Heed my words. I am Malenia, Blade of Mikala. Blade of Mikala. And I have never known defeat. And I have never known defeat. Par contre, le start est très violent hein, sur quand on fait la cinématique. La première, j'ai une confiance absolue. La deuxième, ça peut arriver que je me loupe. Ça reste rare parce que j'ai vraiment le timing. La troisième, mon dieu. À chaque fois, j'ai mon intuition qui vraiment me ment. Je devrais aller tout doucement et je vais aller toujours trop vite. Et genre, c'est vraiment, t'as pas le droit. Et dans la première, j'ai assez la confiance. Mais dans la deuxième, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis pas pareil. Alors que c'est littéralement la même chose, hein.
J'essaie de lui faire trigger son ult, mais pas moyen. On est sur un retry parce qu'elle le mettra pas à mon avis. Ah bah ça y est. Ah c'est juste ça que je dois faire en P2, mais en P2 je sais pas pourquoi, j'ai moins la conf. Alors que c'est la même chose. Hein. Ah ouais. Oh là, les GP de cerveau. Let's go! Je l'ai fumé! Paul! Je te chie dessus, là! Qu'est-ce qu'il y a? Putain! Oh my god!